Wow. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Non Support. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous c'est de tous abonnés. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez plus nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, cette star a disparu et depuis, plein de personnes sont en train de lui écrire de bons messages pour lui rendre hommage. Mais ce message sur lequel nous venons de tomber, c'est un message qui révèle tout sur ce qui se passe clairement dans leur milieu, comment les gens sont, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde et comment le diable est en train d'influencer les gens et les amener à devenir des sorciers. Quand un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit au diable et qui est maintenant possédée par un démon qui lui permet d'agir négativement. Et tous ses fruits sont mauvais. Lui, il ne fait que faire du mal. Et c'est en réalité ce qui se passe. Et le sorcier offre des sacrifices au diable. Même ça peut aller au sacrifice humain. C'est-à-dire que dans leur milieu, parfois, il peut arriver qu'en eux, ils se sacrifient. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ici, l'un de ses collègues qui est venu donner ce message va donner des informations extraordinairement puissante sur ce qui se passe en réalité et nous essayons de vous expliquer. Écoutons ensemble pour en savoir plus. C'est parti. Triste réalité sous le soleil. Souvent, nous nous braquons contre une personne sans aucune raison. Souvent, est-ce que vous avez entendu ça? Il est souvent, nous nous braquons contre une personne sans aucune raison. Lui ne va pas vous dire clairement ce qui se passe, mais c'est ce qu'il va vous dire parce qu'en réalité, le sorcier d'aujourd'hui, il attaque n'importe qui vous connaisse ou pas, que vous soyez frère ou pas, eux, ils vous attaquent parce que nous sommes en guerre. C'est ce qu'ils ont dit par là. Le diable se sert juste de notre ego, du mal en nous et nous pousse à ressentir de la haine envers notre prochain. Il suffit juste d'une petite frustration, d'un complexe d'infériorité ou d'une incompréhension, automatiquement un système de calomnie, une conspiration se met en place pour détruire cette personne, des énergies négatives sont envoyées vers elle jusqu'à son écroulement. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il suffit juste d'un petit truc pour que les tensions, pour que le feu s'allume, parce que en fait, le feu même était là. C'est parce que vous n'avez pas vu auparavant. C'est existentiel. Et pendant ce temps-là, les gens possédés par le mauvais esprit, ils se mettent tous à vous combattre de loin comme de près. Jusqu'à ce que vous vous écroulez. Ça veut dire quoi? Jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tant que vous êtes en vie, ils vous feront la guerre. Parce que eux, ils sont possédés par les démons qui les poussent à le faire. Ils ne peuvent plus avoir le contrôle d'eux-mêmes parce qu'ils ont eux-mêmes livré leur esprit au démon. Donc le démon se nourrit de la négativité qui se trouve en ces personnes-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans le milieu. Le diable profite de cela et les utilise jusqu'à ce que le coulement arrive. Les cibles se coulent, c'est-à-dire la personne là tombe. C'est-à-dire que dès que vous devenez numéro 1 dans le milieu, vous pouvez vous faire des ennemis et automatiquement ces ennemis là vont tout de suite s'attendre à ce qu'un mot déplacé vienne de vous pour qu'il commence à vous faire la guerre jusqu'à ce que on n'entende plus parler de vous parce que ça c'est réel, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Une fois que celle-ci rend l'âme, les esprits nous lâchent et nous ressentons automatiquement de la pitié. Subitement, nous voyons les qualités de cette personne. Et vous avez vu ça? C'est-à-dire que dès que cette personne ciblée tombe ou quoi elle meurt, toutes les personnes qui sont possédées autour là sont libérées par les démons qui les possédaient et qui les poussaient à faire du mal. Automatiquement, ils commencent à dire, ces personnes-là commencent à dire, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tuer mon frère, je viens de tuer ma soeur, je viens de lui faire du mal. C'est maintenant un regret et dit ah, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que vous avez déjà vu de ces films où on nous montre des sorciers ou des sorcières qui viennent
entrer en quelqu'un, posséder quelqu'un, et puis cette personne se met à faire du mal. Et dès que ça finit, le sorcier ou la sorcière qui est entrée dans cette personne-là, elle enlève son esprit, et puis la personne se retrouve, mais avec un couteau à la main, parce qu'elle a poignardé quelqu'un. Et tout de suite, le possible vient attraper cette personne, croyant que c'est cette personne qui l'a fait. Or, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais c'est parce que cette personne était possédée ce jour-là. C'est pourquoi ça arrive. Ça arrive, c'est ça. Et maintenant que cette personne est décédée, ici, c'est là, tout le monde va commencer à dire, ah, cette personne-là, on est ensemble, il faut qu'on lui rende hommage, parce que c'est là les gens retrouvent, comment ça comporte les qualités qui se trouvent à cette personne. Vous voyez ce que ça donne? C'est exactement ce de quoi il s'agit ici. C'est là, on parle de si je savais. Il était fort. Il commence à parler, il était fort. Il était bon. Il était bon. Il était chou. Il était chou. Là, maintenant, il commence à voir les qualités qui se trouvaient à cette personne. C'était un bosseur. C'était un bosseur, il travaillait. Et au suivant. Ça veut dire que ça ne peut pas finir. Chacun raconte ce qu'il veut. Il était comme ceci, il était comme cela. Et lui, là, c'est mon cas. C'est lui, le mec qui m'a aidé à me lancer. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pourquoi quelqu'un a dit, aimons-nous vivants. C'est-à-dire, aimons-nous vivants. Pendant que nous sommes vivants, là, on doit s'aimer. Les esprits passent à un autre programme et une autre personne est ciblée. Donc, ça veut dire quoi? Dès que les démons qui ont possédé ces gens-là finissent leur mission à ce niveau-là, qu'est-ce que les démons là vont faire? Ils vont passer à un autre niveau, à un autre programme, pour chercher à détruire quelqu'un d'autre, tuer quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que dans leur milieu là, c'est comme ça se passe. Le premier mort, après lui vient de disparaître. Ça veut dire que les mêmes esprits mauvais qui se trouvent dans le milieu vont chercher à tuer quelqu'un d'autre. Quelque temps après, quelque temps plus tard, que ça prenne un an ou 2 ans ou 3 ans, les esprits vont travailler sur le sujet. Pourquoi à chaque fois, surtout, ceux qui sont à la tête, là, ce soit eux qu'on tue. Qui sera à la tête? Qui va maintenant prendre sa place? Ce sera la personne qui sera ciblée et qui va être sacrifiée à un moment venu. Écoutons ça. La vraie jungle. Parce que ça, c'est la vraie jungle. Combien de temps cet esprit réussira-t-il à nous tripoter? Maintenant, lui, il se pose la question, mais combien de temps? Parce que lui aussi, il est dans le milieu. Il dit, mais combien de temps cet esprit mauvais-là réussira-t-il à nous manipuler? De quel esprit parle-t-il ici? Il parle du diable. Du diable. C'est du diable, il est en train de parler. Le diable se trouve clairement dans ce milieu-là, parce que c'est son monde. C'est pourquoi il a dit, c'est la jungle. C'est le monde du diable. C'est son monde. Et lui, il a besoin de sacrifices. Il est prêt à tout, même sacrifier ce qu'on appelle les stars. Les fans seront là à se lamenter, à s'inquiéter, inquiéter, même pleurer, parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Mais c'est le monde dans lequel ils sont. Et c'est lui-là même qu'on appelle l'ange de la mort, le dieu de la mort. Même le dieu de la destruction. Faites attention. Quand quelqu'un chante et dit dieu de la destruction, c'est de ce dieu-là cette personne est en train de parler. C'est réel. Telle est ma question. Côte d'Ivoire, restons vigilants, protégeons notre cœur du mal, résistons à l'esprit du mal et de la division qui est notre premier ennemi. Là, il est en train de donner un message super hyper puissant à toute la nation. Pour dire que sur la nation règne un esprit. Et cet esprit-là est un esprit du mal, un esprit de la division, un esprit qui vient pour détruire. Peut-être vous l'avez chanté sans, vous l'avez chanté, vous l'avez levé sans le savoir. Et cet esprit du mal-là, il est aussi matérialisé par les têtes des morts qui se trouvent sur les vêtements, même sur les bagues des gens. C'est cet esprit-là qui se matérialise comme ça. Quand cet esprit-là est avec toi, tu te vois fort, il te fait croire que tu es le plus fort. Il te fait croire que tu es le numéro 1. Mais il t'attend au bon moment où tu vas pas t'en rendre compte là, pour te t'ôter la vie, te tuer toi-même.
et chercher quelqu'un d'autre à prendre. Il doit faire attention. Aimons la réussite et le succès des autres et attendons simplement notre tour. Il dit aimons le succès et la réussite des autres et attendons simplement notre tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir combattre cet esprit-là, il faut commencer par aimer voir son prochain réussir. Réussir. C'est-à-dire que ce que tu aimerais que ça t'arrive là, il faut donner à l'autre. Et mets-toi dans ta tête que c'est son temps, c'est pourquoi il est là en train de briller. Et toi, travaille et attends ton tour. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Que vous soyez médecin, que vous soyez bakaman, que vous soyez dans le gouvernement, c'est la même histoire. Nous devons manifester ce qu'on appelle l'amour, l'amour, l'amour. La haine nourrit cet esprit. Au fur et à mesure où la haine se crée entre vous, la division se crée entre vous, cet esprit-là gagne en puissance parce qu'il se nourrit de ça. Mais si vous commencez à vous aimer les uns les autres, à vous soutenir, cet esprit destructeur-là va plus régner, il va baisser en pouvoir et en puissance et c'est vous tous qui allez gagner. C'est réel tout ce qu'il a été de dire. Là, c'est un personnage de ce groupe qui a vu partir celui-là même qui a créé le mouvement qu'on appelle le coupé décalé. C'est lui encore qui voit partir encore une autre personne. Et lui, il parle, il dit, je sais de quoi il essaie de vous parler. Parce que dans le milieu, il y a un esprit. Et ce milieu, cet esprit-là est un esprit mauvais. C'est un esprit qui cherche à détruire les gens. Et pour pouvoir bien combattre cet esprit, il faut manifester ce qu'on appelle l'amour. Il faut voir les autres réussir et attendre son tour parce que chacun a son étoile et chacun a son tour. Ça veut dire ce que ça veut dire. Écoutons. Dieu n'oublie personne. Et Dieu n'oublie personne. Waouh! Ça veut dire ce que ça veut dire. Bref, aimons-nous réellement avant qu'il ne soit trop tard. Et... Bref, aimons-nous réellement avant qu'il ne soit trop tard. Bref. Aimons-nous réellement avant qu'il ne soit trop tard et après venir jouer les hypocrites. Que l'Esprit de Dieu aide les plus tangibles au mal parmi nous dans tous les secteurs d'activité et toutes les classes sociales. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ça veut dire que ce collègue à cet instant-là, il sait que même en ce moment où nous sommes en train de parler là, peut-être que les gens sont en train de rendre hommage à ces stars. Cet esprit qui est en train de tuer les gens là est encore là. Il est conscient que cet esprit-là est là. Il ne peut pas venir vous parler ouvertement pour vous dire des choses. Mais il parle ainsi. Et nous sommes en train d'analyser la chose. Comment vous comprenez ça? Il y a un truc. Il y a vraiment un truc qui est en train d'être révélé. Il faut. Absolument. Que l'Esprit de Dieu calme, que l'Esprit de d'amour calme. Mais pour que ça marche ainsi, il faut que les gens se donnent réellement à Jésus-Christ. Il faut que les gens se donnent à Dieu. Parce que sans ça, ce ne serait pas possible. Écoutez. Fils, tu aurais pu réussir ton plus gros buzz, toi qui avais si besoin d'amour, de protection et de protecteur. Simuler cette mort pour voir tous ces gens qui t'aiment. Finalement, tu aurais su que ceux qui t'aimaient étaient plus nombreux que ceux qui te haïssaient. Et je crois royalement que tu aurais vécu tes 100 ans de règne et de vie sur terre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes dans cette situation où vous êtes combattu par ce mauvais esprit qui était de même utiliser les gens qui vous entourent, vous devez vous focaliser sur vos objectifs. C'est-à-dire regarder devant, avancer et vous nourrir de l'énergie que vous donne ceux que vous aimez. Même si ceux que vous aimez sont divisés en deux ou en quatre, foncez avec Dieu seul. Dieu seul sera de votre côté. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est quand les gens meurent qu'on voit réellement qui sont ceux qui les aiment. Et ils ont deux coups qui sont même nombreux.
Si c'était même un buzz, on dirait que c'était, ce serait un buzz aussi. Mes frères et sœurs, c'est une chose extraordinaire ça. Mais hélas, l'ange de la mort est passé trop tôt. Que Dieu, qui reste le père des orphelins, veille sur Maël, Lachoana, Ézéchiel, Owen et Raphna. Là maintenant, il prie pour que le Dieu Tout-Puissant, qui est celui-là même qui a veillé sur les orphelins, puisse veiller maintenant sur les enfants de chaque personne qui ont été emportés par l'esprit de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'esprit de la mort, que les gens sont en train de chanter, même dans les chansons, dans les musiques, c'est le même qui crée le malheur de leur famille. Cet esprit-là, les pères des enfants, ils créent la douleur dans le cœur des femmes. Mes frères et sœurs, c'est le diable. Cet esprit-là, c'est le diable. Faites très attention à ne pas vous laisser séduire par tout ce que vous voyez, ni vous laisser attirer par les choses de ce monde. Si vous avez besoin de réussir, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Mais vous allez aller tout doucement. Molo, molo, comme on dit chez nous. Vous allez amasser petit à petit jusqu'à devenir grand. C'est le seul moyen, ou c'est le seul moyen le plus fiable pour avoir longue vie. Pour avoir longue vie, c'est ce qu'il a dit. Il dit que tu aurais pu vivre pendant 100 ans. Mais il y a un autre chemin rapide, qui est le chemin que les gens sont en train de raconter le plus. Certains athées disent qu'ils ont vendu leurs âmes au diable pour avoir le succès, pour avoir tout. C'est même ça, ce chemin-là, à ne pas emprunter. Parce que quand tu empruntes ce chemin-là, tu donnes ta vie et ta vie devient courte. Tu as tes chants, les gens t'applaudissent, tu as du succès, mais tu es conscient que ta mort n'est plus loin. Tu sais que tu vas avoir du succès pendant un temps. Pendant, on peut te dire 10 ans. On peut même te dire 15 ans. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, tu auras des enfants. Tu vas partir. Et tu vas sentir même qu'au moment où ta fille se rapproche, c'est à ce moment-là que toi-même, qui a vendu ton âme, tu vas commencer à aimer tes enfants. L'amour de tes enfants va revenir comme ça et tu vas même plus désirer partir. Si tu es dans une situation où tu as fait un contrat avec le diable et tu sais que c'est fini pour toi, je vais te dire, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi là, quoi. Tu as signé ton contrat là, ton pacte avec le diable en utilisant ton sang. Il y a un autre sang qui peut venir acheter ton âme et c'est le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus descend sur toi aujourd'hui et te sépare de tous les liens, de tous les pattes qui te lient au démon, qui font que toi tu vas mourir dans peu de temps. Même à ce moment, je suis de vous parler, les gens qui sont en train de m'écouter, qui regardent cette vidéo, qui sont concernés par cette affaire, lève ta main droite vers le ciel, mets ta main gauche dans ton cœur, dis: Seigneur mon Dieu, je te confie ma vie, je te confie toute ma vie, mon âme qui a été volée par l'ennemi. S'il te plaît, Seigneur, viens racheter mon âme par ton sang précieux et brise tous les pactes que tu as signés avec l'ennemi, avec le diable. Je veux changer de vie, même abandonner tout ce que j'ai fait. Je veux me confesser. Je suis prêt à me confesser. Pardonne-moi mes péchés. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu les visites aujourd'hui et tu les délivres. Amen. Dès à présent, cherche un vrai homme de Dieu. Il y a plein de fous. Laisse Dieu te guider vers un vrai où tu vas aller bien te confesser. Et lui, il va t'aider dans la marche. Ces démons ne vont pas s'asseoir pour te regarder. Eux aussi vont se lever pour revenir. Parce qu'ils ont besoin de prendre ton âme. Parce que tu dois maintenant les servir après tout le temps de gloire qu'ils t'ont donné. Fais attention. Demain avec le Seigneur. Cherche Dieu. Et que tu sois toujours soutenu par celui-là même en qui tu vas te confier pour te soutenir spirituellement parlant.
que ce soit un vrai homme de Dieu, que le Seigneur Christ lui-même te crée devant un vrai homme de Dieu, même s'il y a beaucoup de faux. Sur la terre, on a appris que 95% même des pasteurs sont des faux. C'est ce qu'on a appris au travers des témoignages puissants que nous faisons ici. Mais il y a des vrais. Les vrais que tu vas rencontrer là, tu peux les voir, ils sont simples. Ils ne sont pas forcément des voitures. Ils ne sont pas forcément beaux. Ils ne sont pas forcément bons. Si tu es habitué au luxe et que toi tu cherches à sortir de tes problèmes, ne juge pas les gens. Ne juge pas ce que tu vas voir. Tu peux même les voir même marcher en tapette. Mais si Dieu te guide et te dit c'est celui-là que j'ai choisi pour te guider, il faut te laisser instruire par cet homme de Dieu. Ils sont rares, mais je te donne juste des signes. Je réponds. Les vrais hommes de Dieu de ce monde, les vrais hommes de Dieu de ce monde ne sont pas nombreux. On peut les compter au bout du doigt. Premier signe, ils ne sont pas forcément beaux. Deuxième signe, ils ne sont pas forcément propres. C'est-à-dire, ils peuvent même sentir, avoir une mauvaise odeur. Si tu les vois comme ça, tu trouves qu'ils ne sont pas présentables et qu'ils ont même besoin de chaussures. Si tu as les moyens de les offrir une chaussure, au lieu de les critiquer, il faut les offrir une chaussure. Ces chaussures que tu vas offrir, là, Dieu va se baser sur ça pour te sauver ton âme aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Si tu vois qu'ils ne sont pas bien vêtus, si tu vois que cet homme de Dieu n'est pas bien vêtu, il faut lui donner les vêtements, il faut l'envoyer quelque part, achète les vêtements à sa mesure, comme tu aimerais toi-même être habillé. Il faut lui donner ce qu'il faut. La joie qui va se créer dans son cœur, ça va toucher Dieu. Les gens pensent que Dieu se trouve dans les grandes églises ou chez les pasteurs bien vêtus, bien cravatés. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Les vrais hommes de Dieu sont cachés. Ils ne font pas trop de bruit parce qu'ils n'ont pas souvent trop de moyens pour s'afficher. Faites très attention à ce que vous voyez. Faites très attention à ce que vous voyez. Faites très, 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 très attention. Quand vous attendez, Jésus est ici. Venez voir, il y a des miracles, vous. N'y allez pas. C'est faux. S'il y avait vraiment des miracles là-bas, il n'appellerait pas les gens. Si vous voyez des gens venir vous dire, Dieu peut te donner beaucoup d'argent, Dieu peut te donner beaucoup de trésors, sans qu'il ne vous parle de ce qui concerne votre âme. Là où votre âme va partir après la mort, méfiez-vous. Méfiez-vous. Combien de personnes sont décédées en laissant tous leurs biens sur la terre? Combien de personnes ont acheté des voitures de 100 millions, 200 millions, 400 millions? Juste pour impressionner les gens. Et ces personnes sont décédées en laissant tous leurs véhicules ici. Combien de personnes ont acheté des chaussures de luxe? Quand tu rentres dans la maison, vous voyez, il y a un espace réservé à leurs chaussures de luxe. Personne ne doit toucher à leurs chaussures de luxe parce que c'est précieux à leurs yeux. Mais elles sont décédées, elles ont laissé tout ça ici. Mes frères et sœurs, vanité de vanité, toutes tes vanités, toutes ces choses de ce monde-là passeront, ne vont jamais ton âme pour les choses de ce monde. Même si c'est dur, accroche-toi à la robe du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas y arriver. Je vous dis le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis Jésus-Christ parce que quand les gens disent Dieu, 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 c'est pas tous ceux qui disent Dieu qui viennent de Dieu. Il y a les gens qui sont avec les démons, mais ils disent Dieu, ils sont avec les démons. Quand il dit Dieu, il ne parle pas du vrai Dieu, il parle du démon. Le démon de la destruction. Faites attention. Mais quand quelqu'un vient vous dire Jésus-Christ, dans son cœur, vérifiez bien si c'est Jésus-Christ qu'il est en train de dire. Et comment vous allez bien voir ça? C'est au travers de ses œuvres. Vous saurez si c'est un vrai ou pas. Faites très attention que Dieu nous donne dans ce dernier temps. Son esprit de discernement. Voici un message puissant que nous aimerons partager avec vous. Vous devez partager cette vidéo aussi à tout le monde. À tous ceux que vous aimez. Vous devez aimer tout le monde. N'ayez pas d'ennemis dans votre vie. Ça ne sert à rien. Si toi tu as gros sur le cœur et que tu ne veux pas pardonner à ton prochain, comment veux-tu que Dieu te pardonne à ton tour? Sachant que nul n'est parfait sinon Dieu seul. C'est ça le deal.
Pardonne à tous ceux qui t'ont créé des problèmes. Même ceux qui te doivent ne pas te payer. Il faut les pardonner. Peut-être que quand tu vas les pardonner maintenant, ils vont dire, ok, franchement, je me souviens que je dois à ce gars-là. Il faut même que je lui donne son argent. Pour le son de fou. Et soyez prêts. Quand vous donnez à Dieu, donnez sans rien attendre en retour pour avoir une réponse venant de lui. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à Dieu et la cloche. Pour que ce soit bon. Allez, t'as pas d'accueil. Abonnez-vous à notre chaîne. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Pour le son de vous.